Bien, bonjour. Oh, je suis étranglée parce que ensuite je l'ai porté hier. Il a du fond de teint. Oh, du coup, bon, je suis un peu étranglée. Hein. Bonjour, bonjour la famille. Bien, bonjour. Faites l'appel. La liste n'est pas du tout exhaustive. Faites l'appel. Vendredi, je ramasse les copies. Hein? À Borbosseux, nous avions au moins un devoir. J'ai oublié Anna Mungue. Oh mince. Ajoutons Anna Mungue. Bonjour, 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 ma Sabine. J'ai oublié. Ma Luz Meyer. J'ai oublié Anna Mungue. Anna Mungue, elle, son dossier, c'est l'histoire du parc de la Meufouet à Famba. Bonjour, Déborah. La Meufouet à Famba. Voilà son dossier, ramasse le devoir aujourd'hui. La copie, c'est aujourd'hui. Bonjour, Jackson. Bonjour, Kant Electric. Faisons l'appel. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Faisons l'appel. Rajoutez-moi, moi, Anna, Mungue Cécile. Woman, à la barre. Porte la copie. Pour le reste, là. Il y a l'histoire du parc de la Meufouet et à Famba. Notre frère a dit, abîmez-les. Repartez avec. Hein? Nous en sommes où? Hein? Le dossier, là, on fait comment, non? Les enfants de Truy ne mangent plus. Ils n'ont plus le droit à la vie. Ils sont menacés par le bi. Il y en a qui embarquent même femmes en laissant les enfants. Abîme tes foies. Donc nous avons ce dossier-là. Je m'adresse aux Ékangs du Sud, hein, et aux Ékangs aussi, parce que c'est, hein, c'est entre nous, nous non. Aborbe ce fois. Et puis nous avons pas Mendoza. Est-il sorti de prison? Je dormais, quoique pour le peu que j'ai pu. Pas Mendoza est-il toujours en prison? Bonjour Hélène. Bonjour Gelato. Bonjour Steve. Bonjour Nathalie. Bonjour Jeanne. Bonjour Moses. Je dormais. Et nous avons le décalage horaire. Quand nous dormons, nos frères américains font la jamboula. Bonjour Brigitte. À Borbosseux, je bip mon peuple. Je bip mon peuple. C'est-à-dire, par tous les droits qui me sont conférés en tant que fille du coin, j'appelle l'Assemblée. Réunion sous l'arbre. Il y a beaucoup de bidakola dans mon village. Réunion sur le bidakola. Le bitacolatier. Bonjour Fabrice. Bonjour Drusille. Bonjour Maureen Afrique. Maman, comment vas-tu? Bonjour Ulrich. Bonjour Suzy. Bonjour Steve. Ah bon, bonne soeur. Il y a beaucoup de bitacolatiers chez nous là-bas. Par là-bas, sous le bitacolatier, ça peut aider au cas où quelqu'un se choperait une gastro. Bonjour Loïc, bonjour Francis. Et j'ajoute, comme je suis une mélangée. Bonjour Maminomania, bonjour Justin, bonjour Suzanne. Comme je suis une mélangée, je suis une métisse locale. De l'autre côté de. Comment on appelle notre fleuve là? De la Lokoundje. Du côté de la forêt. De l'autre côté de la route. Bonjour Chambellan. Bonjour Suzanne, j'appelle l'ensemble, je rajoute mes mères, c'est ma mère qui est équation, je rajoute l'équation dedans. Obourban, Ndobour, Assemblée Générale, oui, les Ngumba du monde entier, bonjour Stanislas. Assemblée Générale, parce que quand on dit les enfants du Sud, quand on dit les Ékangs, nous tous, là, nous mélangeons dedans, là, ouah, on fait le domba avec. Même nous autres là, nous avons eu combien d'élites? Si et pour être élite, il faut être au péché. Nous avons, parce que nous autres, nous comptons pour du beurre. Donc, pour le peu que nous avons eu au péché, Ngamba Magloire, décédé, bilan, Mandy, d'ailleurs, Ngamba Magloire, mon tonton par alliance. Oui, il a épousé la petite soeur à mon père. Foi. Mais j'ai fait un tour un jour à Bibiala. Moi, je n'ai rien vu d'extraordinaire là-bas. Hein. Je dis ça, je dis rien.
En passant, bonjour au chef du village qui est mon père. Eh, Ambolo. Nous avons eu l'autre Ngamba, Loutiri. L'autre Ngamba, mais lui, Loutiri. À la Kamtel. C'était ça, hein, Kamtel. Et ils nous avaient quand même tiré la ligne téléphonique. Hein. Je dis ça, il ne faut pas que ce soit mauvaise langue. Et nous autres là-bas, au co, avons eu le téléphone comme si c'était ça qui allait nous nourrir. Oui. Il a mis le. Ils disent souvent qu'il avait mis quoi là-bas? L'antenne, parce que Lolodorf est la cité administrative est au péché. Il avait mis l'antenne là-bas. Mais je vous avoue que mon tonton là est parti dans le. Dans un peu de déshonneur parce que épervier, il était hier imperviable, donc il était en train de vendre et les terres et les ceci. Il a aussi dit à Borbes, j'ai dit, je passe. En même temps, je suis foiré, une petite fonctionnaire. Bonjour Marius. Je parle de nous l'équation, donc j'appelle aussi hein, mes mères. Et puis par contre, mes mères, moi j'ai l'assurance que là-bas chez l'équation, on va pas me manger. On ne mange pas les enfants de ses filles. Mais par contre, là-bas chez les femmes, hein, Abibia, vous pouvez essayer de me manger autant que. Vous pouvez, vous demanderez au chef du village, il sait que je suis amère comme la femme qui m'a mise au monde. Ça ne nous laisse pas. Lui-même me disait souvent que, tu es ma fille, je crois entendre ta mère, je dis que tu es. Mais je suis son copier-coller, hein. À chaque fois qu'il débarque, il me dit, je crois entendre ta mère, parce que ma mère et moi avons la mauvaise bouche. La malbouche, là, je n'ai pas ramassé ça par terre. On m'a mis ça dans le biberon, sauf que. Hein? Donc, j'en appelle à tous les enfants du Sud. Et comme dans l'histoire, là, nous sommes quand même minoritaires. Et moi, je dis ça à dire, les équations sont minoritaires face aux écarts. Oui, donc j'appelle à la rescousse mes frères Bassa. Mais par contre, cette fois-ci-là, les Bassa du centre, hein, les Bassa de l'océan. Bipindi. Pardon, mes frères, assise générale du coin, hein, de la forêt équatoriale, hein, le sud de là, nous qui sommes posés sur l'équateur. Qui est, allons un peu vers Kribi là-bas, les Batanga, pardon, les gars, laissez la pêche là, laissez les crevettes et les langoustes, laissez les pirogues, laissez les chutes de la lobée là, ça va pas disparaître, on va les retrouver plus tard. Venez les gars, hein, sous le Biracolatier. Les Bakoko, on oubliait, il y a les Bakoko là-bas aussi. Bon, bref, tous les ressortissants du Sud, apparemment, nous avons beaucoup d'élites. Nous faisons partie de ceux qui ont fait du recel pour que le Cameroun ne soit pas émergent et tout, et tout, et tout. Donc, avant que le reste du Cameroun ne nous tombe dessus, résolvons nos problèmes, non? Et nous avons un fils du pays, à savoir Pam Ndosé, qui est en train de mourir et quelque chose s'apprête à manger ses fesses. Ah, c'est comme ça, la montée de la colline. Et vous demandez à vos fils qui épandent de la haine ici s'ils ils sont montés au créneau. Le père Mendo est toujours à Koningui. Adieu, ça va la Dieu a dit. À Borbos, la solidarité est quand alors? Le peuple est quand? Dans toute sa solidarité, c'est pas vous qui appelez souvent l'Assemblée. Hein, les aidez-moi à détester là. Où est le aidez-moi à sauver? Après tout ce que le père Bendo a pu faire pour nous autres là, nous le laissons comme ça, élan, en soi zout, les fesses à l'air, inaya. Un peu de solidarité, hein. Si ce n'est pas la solidarité, pardon, un peu de miséricorde. Un peu de miséricorde de la famille. Pour l'amour de Dieu. Simone me Congo, c'est comment? On l'a retiré au mauvais endroit. Inaya, j'attends la copie. Je vous appelle par vos noms, puisque vous vous affichez sur Facebook. Je vous appelle par les noms que vous utilisez sur Facebook, hein? Ah oui. Donc, jingle ce matin, j'aurais même dû commencer par là, mais comme je suis une grosse bavarde là, mon nouvel jingle, hein? Devinez ce que mon nouveau jingle est. Hein? Vous allez reconnaître la voix de la personne. Hein? C'est ça qui me réveille tous les matins maintenant. L'œuvre de la veille. Le nouveau jingle. Allez. Le porc a fini de pleurer. Alors, le porc a fini de pleurer. Le porc a fini de pleurer au village. Womo, womo.
Ngo genocide, ngo genocide, womo. Ngo dit que genocide, ngo womo. Idiot, imbécile, va t'insulter tous les jours. Avec ta grosse langue comme la langue du varan. La seule chose, vous voyez que vous êtes des lâches, non? L'idiotie, tu as vu la langue du varan? Vraiment, hein? Simone me congo, tu es dum quoi? Tu as vu la langue du varan? Elle est. Ah, bah, je dis ça, elle est proportionnelle à. Tu as vu la langue du varan? Vraiment, la bêtise, hein? Une bande de lâches! Une bande de lâches! Celle-là avait les seins pilés. Elle ne part pas. Elle marche avec son cercueil sur la tête, elle va chercher les problèmes. Elle n'a encore rien vu. Elle n'a encore rien vu. Oh mon Dieu, génocide. Que génocide. Elle a dit qu'il faut génocider les Bamileke. C'est ce qu'elle dit. Un idiot. Si tu avais fait l'école, tu ne prononcerais pas les mots comme ça. La malédiction va te suivre jusqu'à. Tu n'auras jamais les papiers. Je dis jamais. Tu as déjà fait combien de pays sans papiers? Ta vie sera comme ça. Tu sais dans la Bible comment on disait non? Que Caïn, Dieu l'avait puni. Il montait, il descendait parce qu'il avait tué son frère. Les gens que tu as vendus à gauche, à droite là. Le mal que tu as déjà fait à gauche, à droite, tu vas le payer. Espèce de lardon comme ça. Bon à rien. Bah, tu prends mes jolies photos, tu vas afficher sur ton mur de gros porc. Chouane. Je ne sais pas si j'ai tout lu, hein. Vérifions. Dites à votre Pascal Tocam qui est à Facebook qui bloque nos comptes, nous les patrons, que j'ai dit que c'est un gros noyau. J'ai dit que c'est un gros noyau. Et je souhaite qu'il attrape la hernie un jour. Et je souhaite que ses doigts, qu'il a pu se faire pour aller bloquer nos comptes. Qu'en marchant en route un jour, il reste comme ça, il voit comment ses doigts là tombent, non? Vous pensez que vous avez le monopole? Mais en tout cas, mais votre niveau, ce n'est que sur Facebook. Les vraies choses, ça se passe au Cameroun. Max, va au Cameroun. Va au Cameroun chasser Paul Biya. Ah, ça fait. Un bougre comme ça, soi-disant, il est combattant. Il n'a pas de femme. Pas de femme. Pas de femme. Pas d'enfant. Sans abri, sans papier. C'est long, hein? Tout ce qu'il a, un gros ventre plein de merde. Une grosse tête. On dirait les melons du Carrefour Bandoun. Les maigres pieds, on dirait les brindis. Et puis il va dire, je suis combattant. Précision. Tous les droits, pour la voix, tous les droits réservés à Simone Mokongo. Je tiens à lui restituer ses droits d'auteur. Tous les droits d'auteur, pour la deuxième voix, tous les droits d'auteur réservés à Simone Mekongo. Un sale chien. Oh, j'oubliais. Vos gens qui m'envoient les demandes d'amitié, là, je fais quoi, je prends ou je laisse? Merci pour la pub. Là, la belle, la beauté, non? Moi, que j'ai vu tes soeurs, là, des laides de choses. Des choses difformes, avec des gros yeux comme les hiboux. Les laides choses, tes soeurs sont laides. Des gros yeux, comme les hiboux. Tu as le culot de prendre au moins mes photos ont illuminé ta sale page de merde. Ngoué, un tergo ngoué, un yongdo, un surlo. Un bonsoir spécial à la droguée, Karine. La droguée, le bambani, elle chope le cerveau. Et c'est vrai. Hein? Les seins qu'elle a là, les trucs pilés, puis on dirait que le camion est passé dessus.
Et c'est vrai, hein? Je suis une droguée, je suis sous la maligne. Mais tu fais là comme si tu étais en train de raconter des bêtises. Je suis sous la maligne, d'ailleurs, j'en ai sur ma table là. Hein? Mon Congo, c'est long, hein? Donc je vais couper ça de temps en temps parce que je suis en train de m'infliger sa voix de villageoise là. Hein? À mon Congo, je sais que tu es là. Tu penses que tu racontes des histoires? Raconte pas d'histoires, je suis sous la maligne. Il y a 30% d'opium, peut-être pas dans les supports, parce que ce sont des supports, c'est plus efficace. Donc c'est pour te dire que je m'enfile ça là, le fion, quand ça ne quand ça va pas du tout. Oui. Est-ce que tu racontes des bêtises? Paracétamol, extrait sec d'opium et caféine. Tu ne racontes pas des bêtises, je suis shooté, donc il faut pas venir me chercher. Par contre, les seins pilés là, maman, j'ai deux enfants. Et qui est Azamedou? La dernière là m'a laissé un tas de... Hein? La dernière là... Et les herbes que j'avais, la première n'a pas voulu que je l'allaite, donc j'ai pas eu de montée de lait. Mais la deuxième, la mauve midi, elle s'est étouffée à la bêtise. Il y a même une photo où elle a le sein dans la bouche. Quand elle se mettait dessus, hop, je disais, mais ma chérie, c'est ta gamelle, hein. Ouh là là là, hey, pardon, ne coupe pas, c'est ta gamelle, propriété privée. Hein? Donc tu parlais là comme si, maman douébineta. Mais c'est son pilé. Eh, Azabedou, tu sais quel bonnet j'ai là? Vraiment, vous parlez souvent, vous ne savez pas. Hein? Toi, l'imbécile là, tu crois que tu es belle? Est-ce que tu crois que tu es belle? Tu veux que je me mette nulle là maintenant? Tu vas avoir honte, ma chérie. Moi, je suis Yamorti. Je suis une épave, moi, je le dis souvent. Mais reste, tu veux que je te montre moi-même là quand j'avais ton âge? Tu crois que tu es belle? Hein? Est-ce que tu crois que tu es belle? 66 de tour de taille, j'avais. Bonnet D. Hein? C'est le dernier que tu voulais voir. Quand j'entrais dans un magasin, à l'époque, le XS n'existait même pas encore. J'entrais dans le S-Nayo. On m'appelait la gazelle. On m'appelait la libellule. C'est pour te dire les formes que j'avais. Zou. Tu viens dire là que tu es belle. Maman Sarah. Quand on est belle, est-ce qu'on dit qu'on est belle? Est-ce qu'on dit qu'on est belle? Quand ma mère passe comme ça, on dit une belle femme. Toi, tu es là tous les jours, tu es belle, parce que tu es claire de peau. Si on t'a sombré un tout petit peu, là, on va encore te voir. Qui va te voir? Qui te voit même d'abord, Simone Mukongo? La beauté, ce n'est pas ce qu'on voit là. La beauté, c'est pas ça. La beauté, c'est ce qui sort de ta bouche, ce que ton âme est, ce que tu reflètes, ton aura. Tu es belle. Tu es belle. Hein, Simone? Ce que tu fais là, tu veux la publicité, non? Tu dis que tu as beaucoup de demandes d'amis. Mais pour la postérité, ma chérie, c'est Simone Mukongo. Simone Mukongo. Oh mon Dieu, la récolte va être fructueuse. Ce que tu as semé là, je suis en train d'arroser seulement, hein? J'arrose ton champ. C'est toi qui y as semé la graine de la discorde et de la haine. Moi, je viens seulement arroser. Quand tu vas recevoir la récolte, retour sur bêtise. Maman Sarah. Ah ouais, ouais, ça va être merveilleux. Que Dieu nous prête les jours de vie. Allez, écoutons la bêtise. Ça vient me parler. Votre père au Cameroun, Maya est connu. Il m'a envoyé une demande d'amitié. Je sais comment j'accepte ou je n'accepte pas. Idiot. Et t'avais dit, je t'ai dit qu'il y a tes frères de l'Ouest qui me connaissent, avec qui on a grandi. Avec qui on a grandi. Il y a un qui m'appelait ce matin, il me dit, mais petite soeur, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a grandi avec toi au quartier, il y a quoi? Et je lui explique que non, il faut laisser celui-là, c'est un sans-abri. On l'a chassé en Italie parce que y a les gens qui passaient son temps à vendre en Libye voulaient déjà en découdre avec lui en Italie. Me Congo Simone, recentrons le débat. Max n'est pas ton problème. Recentrons les débats. Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Tu es comme Judas. Non, c'est pas Judas. Tu es comme Pierre. Tu renies ton œuvre. Quand tu prends ta caméra, la Hora, tu appelles à tuer les Bamilékés, à les détester. Tu les traites de porcs. Tu invites des personnes qui disent qu'on devrait les éradiquer. Tu la décides, tu ne recadres pas la personne.
Maintenant, tu dis que les frères avec lesquels tu as grandi, tu dis que, oh, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Donc, c'est une vue de l'esprit. Les directs que nous avons là, non. C'est parce que je suis sous la maligne. C'est une vue de mon esprit. Parce que sous la maligne. Hein? Donc, tu veux dire que nous tous là, les Camerounais qui t'écoutent, nous avons la même vision de folie. La même, tu as déjà vu deux fous. Tu as déjà vu deux fous qui ont les mêmes hallucinations au même moment. Mais si tu arrives dans une salle, même si c'est à Jameau, si tu arrives à Jameau, tous les fous là te disent que oh voilà Simone Mekongo qui fait un direct dans lequel elle appelle l'éradication des Bamileke. Mais les gars, même si c'est une maison de fous, tout le monde va donner raison à l'Assemblée, mon gars. Et donc, tu es en train de renier ton œuvre. Il n'y a rien. Waouh. La vue de l'esprit, là, elle est vachement puissante, hein. Notre vue de l'esprit, là, elle est unique au monde. Nous avons la même hallucination, tout le monde, en même temps. Ah, ouais. Vous voyez donc des personnes qui n'assument pas. Max n'est pas ton problème. Max a titre, il n'a fait que dénoncer ta démarche. Max n'est pas ton problème. Ne t'en prends pas à Mayer Phoning, ne t'en prends pas à nous autres. Recentrons le débat. Tu appelles à détester un groupe de personnes parce que d'une certaine ethnie ou bien d'un certain groupe ethnique. Recentre le débat. Donc, quand tu appelles mon Maxou pour lui déposer ta merde là dans le Libé, tu recentres le débat. Prouvez-nous par A plus B que c'est une vue de l'esprit, une vue de nos esprits. Parce que nous sommes un certain nombre, hein, du moins. Tous ceux qui accèdent à tes bêtises là peuvent faire le même constat. Donc, recentre le débat. La galanterie, hein, de recentrer le débat. Sois responsable de l'ensemble de ton œuvre. C'est ton champ. Il y a floraison. Tu refuses déjà la récolte prochaine. Pourtant, tu n'en es qu'à la floraison. Et nous allons courir. En passant, guenon c'est déjà féminin. Guenon c'est déjà féminin. Le E vient chercher quoi là-dedans? On dit une guenon. C'est déjà féminin. Bon, le E vient chercher quoi là? C'est un éwondo. Guenon. Et c'est toi qui veux nous moucher. Et puis Amazon, là, ce n'est pas Amazon, la boutique est en ligne. Non. Ce n'est pas Amazon, là, pardon. Par contre, là, tu mets E. Laisse Guenon où c'est posé là-bas. Prends le E que tu rajoutes là. Tu poses ça à Amazon, de grâce. Hein? Ouais, mon Dieu.
Il y a du boulot, hein. Vraiment, la dézombification, là, chez certains, ça fait un effet bizarre. Ça fait un effet bizarre. Elle est en train de nous tourner le remake de l'exorciste. Elle marche déjà, elle a la tête en bas, les jambes, hein? La tête basculée comme ça, vroup, 90 degrés. Ah, nous ne sommes qu'au commencement. Ce n'est que la floraison, maman. Non, ne pas, non panique. Soit dit en passant, je suis bien affiché sur sa page. Je dis ça, je dis rien. J'ai découvert, il y a quoi, 2 jours ou 3, que ben, j'étais affiché, capture d'écran, l'œuvre d'Anangouadre. Elle a partagé, je suis affiché sur sa page. Mais elle dit qu'elle affiche. Ça dit, cette fille-ci, c'est une vraie mytho. Une irresponsable mytho. Une irresponsable mytho. Maman, allez-y, allez sur la page de Simone Mokongo. Vous allez voir ma tronche là-bas. En talons. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Elle veut me voir en talon. Attendez, je mets le deuxième voice et je monte chercher mes chaussures. Veux me voir en talon. Demain, là, demain, d'autres audios, vous en faites pas. Allez. Direct tous les jours. Vous êtes Oh, condamné. mince. Mes voix, là, vous avez fait les directs avec tous Oh. les jours. Tu vas m'afficher sur ta page tous les jours. Tu es condamné comme ça. Mais ta grosse bouche. Espèce de pied plat, idiot. Ben, plaît plat, c'est une insulte. Oh, bah, écoute, hein, quand tu as des pieds plats, les danseurs cherchent les pieds plats avec la torche. Oui, les danseurs là. La danse classique. Quand tu as les pieds plats, c'est indolent. Oui, parce que la danse, pour faire la danse classique, tu portes des pointes. Et la pointe, c'est quelque chose, hein. Ça abîme le pied. Donc, quand tu as le pied plat, ben, excellent danseur, hein. Et puis ça se résout pied plat, mais bon, c'est la nature qui veut que tu n'aies pas la voûte plantaire. C'est juste une histoire de voûte plantaire. Elle dit pied plat. Elle-même, sûrement qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle ne sait pas ce que c'est avoir un pied plat. C'est ne pas avoir de voûte plantaire. C'est tout. Tu portes des semelles. Tu mets des semelles dans tes chaussures. Ça résout le problème. Ouais, les idiots comme ça. Puis espèce de pied plat. Comme tu disais à quelqu'un qu'espèce de Dieu marron ou bien espèce de Dieu vert, est-ce que c'est une maladie? C'est la forme du pied? Boum, c'est comme si tu disais que oh, nous n'avons pas la même forme de la main. Les gens qui sont idiots comme ça. Et tu vas insulter un pion et nous allons te restituer tes droits. Il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a aucun souci, maman. Désormais, tu es le jingle. Oui. Désormais, tu as le jingle. Nous allons commencer les matinales. Tant qu'elle pose ça dans les IB, dans l'IB de mon Maxou chéri. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de ma coépouse. Ma chérie, oh, vous méritez ça. Ah ouais, cet amour-là. Ah, ça dit unbreakable, vraiment. Indestructible, cet amour-là. Vous méritez. Vous méritez. Parce que je suis témoin de la chose. Hein. Vous méritez. L'amour avec grand A existe. Vous avez bravé tellement de choses que vraiment, noyez-vous, salut, noyez-vous dedans. Enroulez-vous dedans. Les jaloux et les jalouses au lac. Oui, c'est l'anniversaire de ma coépouse aujourd'hui. Longue vie à toi, longue vie à vous, amour, gloire et beauté. L'imbécile qui dit là qu'il n'a pas de femme. Il n'a pas vu sa femme.
Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. L'intelligence est là, la sagesse est là. Hein, mon Congo, tu peux mettre ton pied dans la marque de la chaussure de ma coépouse. Hein, ma chérie, tu peux. Oh, je peux pas tout dévoiler. Vous allez trop prendre les. Ça dit, il faut d'abord que je dise à Foku de fabriquer des cordes, parce que si je largue ça ici, beaucoup d'entre vous, et cravate mexicaine. Hein, mon Congo, recentrons le débat. Vous êtes à la une parce que vous passez votre temps à semer une graine dangereuse pour le Cameroun. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir les moyens de votre politique, quand bien même vous voulez nous déclencher une guerre tribale au 237? Quel que soit le problème qui te délie au peuple bamiléké, nous n'y sommes pour rien. Quand vous êtes entré dans la danse, vos vies, on ne les connaissait pas. Mais petit à petit, nous découvrons que vous avez un parent de l'Ouest. C'est comme si ce casting-là avait été savamment pensé. Vous détestez une partie de vous-même. C'est vous le problème. Une comme Marie Poulpoul, sa maman est de l'Ouest. Elle a renié sa maman ici, à Mondovision. Il faut aller voir des psys, hein. Vous n'avez pas besoin de venir cracher. Vous n'avez pas besoin d'avoir autant de haine en vous. Chacun doit se réconcilier avec son histoire. C'est ton histoire. Tu n'y peux rien, Marie Poulpoul. C'est ton histoire. Tu ne peux pas centrifuger ton corps, tes gènes. Ce n'est pas encore possible. Michael Jackson a fait la tôlerie, mais il avait des gènes afro, point. On ne tôle pas les gènes. Vous avez des problèmes psychologiques là-bas liés à votre histoire, à vos histoires individuelles. Allez régler ça avec les concernés. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'allons plus vous laisser lancer vos appels à détester une ethnie, à détester des individus, un groupe ethnique ou un groupe d'individus appartenant à une ethnie, tout simplement parce qu'elles appartiennent à cette ethnie. Nous n'allons plus vous laisser faire, nous allons vous afficher. Vous voulez la Starmania, vous voulez être écouté, non? Ben, nous allons vous aider à être écouté par-delà le monde. Nous allons vous aider pour la postérité. L'histoire doit retenir que pour que les mêmes erreurs ne soient pas répétées dans quelques années par d'autres idiots. Oui, Simone Mokongo, je ne fais que te restituer. Que j'ai les cinq babouches ou pas, oh, toi et moi, Barata. Que tu sois belle, moi laide, oh, c'est pas ce qui, c'est pas le sujet. Recentrons la chose. Explique-nous pourquoi est-ce que tu appelles à détester, à exterminer le peuple bamiléké. Tu oses dire que le peuple, vous dites souvent, vous êtes un certain nombre à dire que les bamilékés n'ont pas le droit d'être au Cameroun ou ne sont pas des Camerounais. Vous qui? Vous qui? C'est-à-dire, tu es une vraie mytho. Tu n'assumes rien de tout ce que tu fais. Tu oses dire à Mondovision que, oh, tu ne peux pas nous afficher sur tes pages. Pourtant, nous y sommes déjà. C'est ton travail. C'est ton travail. Pourquoi est-ce que tu renies ton travail? Il y a des chantiers au 237. Quelque chose meurt, quelque chose mange ça à ses fesses. Aujourd'hui, tu demandes aux Camerounais d'en détester d'autres, mais tu oublies que ce Cameroun-là, nous sommes tous là-dedans. Dans ce Cameroun, nous sommes condamnés à y vivre. Nous sommes tous condamnés à y vivre. Bien que vivant à l'étranger, nous sommes tous liés. Quand nos familles souffrent là-bas, c'est nous qui souffrons ici. Simone Mokongo. Quand nos familles souffrent là-bas, c'est nous qui souffrons ici. Et je te repose la question, est-ce que tu es sûr de pouvoir gérer ce que tu es en train de, ce que tu es en train de déclencher là, de vouloir déclencher sur ta page? Voilà ce que nous trouvons. Voilà ce que nous trouvons sur ta page. Voilà ce que nous trouvons. Toi qui es si responsable.
Voilà ce que nous trouvons. Vous allez toujours penser que le R, parce que votre problème c'est ça, hein? Vous pensez que le Cameroun, le R c'est le Cameroun. Il y en a qui pensent que le ministre c'est le Cameroun. Il y en a qui pensent que le chef d'État c'est le Cameroun. Vous allez sauf qu'assumer, hein? Eh oui. Nous vous faisons la pub, non? Gratuitement. Travailleurs sans salaire. Me voici sur ta page. Regardez bien, mon Congo. Elle dit que je ne peux même pas vous afficher. Voilà, mon Congo. C'est pas la page de mon Congo Simone, ça. Pourquoi est-ce que c'est flou comme ça? Ah, mon Congo Simone, me voici sur ta page. Voilà. Me voici sur ta page. Tu dis que tu ne peux pas nous afficher. Même en faisant la grimace, tu as l'impression que je suis laide. Même en faisant la grimace. Même en faisant la grimace, tu as l'impression que je suis laide. Regarde ce que tu affiches sur ta page. Tes soeurs en train de se trémousser telles des possédés. Eh oui, c'est sur ta page. Qu'est-ce que tu as écrit? Rien, aucune sensibilisation. Voilà ce qu'elle a écrit. Hein. Pourquoi est-ce que ma caméra est si floue, la lumière? Voilà. Elle pose là comme si c'était quelque chose de normal. Vous êtes dérangé. Regardez bien ce qu'elle publie. Rien, aucun texte hein, pour dénoncer, pour dire que la femme se déprave, elle pourrait être plus... Non! Non! Et tu te mets là, tu nous traites de tous les noms d'oiseaux. Tu crois que ça va changer quelque chose au fait que tu as une tête percée? Nous tous avons, du moins, pour ceux qui sont conscients, nous avons dénoncé ce comportement de la femme camerounaise. Mais non, toi tu as publié ça tranquille, c'est la façon la plus normale de célébrer, comme si c'était même un jour de fête, de vivre la journée des droits de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Je suis trop belle, je suis trop belle, tu es plus belle que qui? Tu es plus belle que qui? Sincèrement. Tu es plus belle que qui? Est-ce que c'est ça qu'on mange? Mets ta bouteille, mets ta beauté dans les bouteilles, tu vends ça. Tu vas vendre à Carrefour. Oui, oui. Prends ta bouteille, des bouteilles. Tu presses ta beauté, tu mets dedans. Tu vas vendre ça à Carrefour. On voit. Elle est trop belle. Tu es plus belle que qui? Tu as vu mes traits? Regarde. Tu es plus belle que qui? Tu es plus belle que qui? Oh, je ne peux pas, ma chère. Oh, les porcs, oh, les ceci. C'est parce que tu as le macabo. Tu as notre macabo. Sinon, tu ne serais pas en train de nous insulter autant. Pour voir la Dream Team. Mais vous êtes vraiment dérangé, hein. Vous êtes dérangé. Nous, vous prenez des photos que nous éditons pour dénoncer votre tribalisme. Vous utilisez pour dire que vous êtes la brigade anti-MSC basse. Mais vous êtes vraiment dérangé. Regardez-moi ça, là, voilà les tribalistes là. Pour la postérité, puisque vous revendiquez. Vous revendiquez votre œuvre. Il n'y a pas de souci, les voilà. Les voilà. Zozo Blacky, à Zambedou. Et voici la Mekongo là. Elle est où? Celle qui a la fleur dans les cheveux là. Parce que tu fais des photos via, comment on appelle, via Snapchat. Hein? Tu penses que tu es plus belle que qui? On mange la beauté. Vous dites souvent que Pomba est beau. Chantou est belle. Regardez dans quel état est notre pays. Pomba est beau. Chantou, un couple de beauté. Regardez le Cameroun. Hein? C'est ça qui nous, et ils se couchent sur le comment on appelle, sur la, comment on appelle le cette terre spéciale là. Vous couchez sur nos sentiers et nous nous retrouvons avec des routes bitumées. Donc ça veut dire que Pomba et sa Dulcinée se couchent là sur, vous voyez la route Lolodorf Kribi.
Il se couche là, là, du coup, boum, le bitume. Abracadabra, le bitume. Je suis belle, je suis belle. Vous êtes laide, vous êtes laide. Tu es belle et conne. Tu es belle et stupide. Eh oui. Je préfère être laide et avoir un tout petit peu, quelque chose dans la tête, quelque chose je ne sais pas. Quelque chose de positif, quelque chose qui m'amène à améliorer mon existence, apporter quelque chose à l'humanité. Toi, tu es belle et tu défais le monde. Tu es belle et tu défais. Tu es là, tu fais des poses telles une tine. Tu fais des manières, tu es trop belle. À ton âge, à l'âge où les femmes tiennent des ménages, ici quand on dit tenir, c'est que tu es chef d'une famille. Quand tu es là, tu fais je suis belle, comme une tine. Faut laisser ça à ma fille. Faut laisser ça à ma fille. Tu es là, tu parles de nos corps amortis et tout ça. Regarde ce que je vois sur ta page. Hein? Ta soeur là, elle est comment? Elle est comment? Tu parlais de mes seins, de mes ceci. Celle-là, elle est affichée sur ta page, non? Elle est comment? Elle est comment? Hein? À Simone Mokongo. À comparaison, comparaison et demi. Elle est comment? Elle est comment? Le Congo. Toi qui passes ton temps à afficher les autres sur ta page, mon maximum n'a fait que dénoncer. Hein? Nous dénonçons ta haine. Tu es une xénophobe. Tu es rempli de haine. Tu appelles au meurtre d'autres personnes, d'autres Camerounais. Toi qui affiches pour injurier, pour insulté. Non, tu te dis que les autres le méritent. Toi, tu es trop saine. Tu es l'enfant de Dieu. Nous sommes les enfants des canards sauvages. Tu es trop belle, n'est-ce pas? Tu es belle par rapport à qui? Tu es belle par rapport à qui? Dis-moi un peu. Tu es trop belle. Si on t'enlève ta perruque là et tout ça, tu es sûr que tu es belle? Hein? À Simone Mokongo. Tu es sûr que tu es belle si on t'enlève ta perruque et tout ça. Les cheveux des morts que tu as sur la tête là. Tu es trop belle. Tu m'as y'a vu un Congolais bon, non? Il ne s'agit aucunement de l'histoire de beauté. On s'en fout de la beauté. Recentrons le débat. Pourquoi est-ce que tu détestes les Bamiléké? Pourquoi est-ce que tu appelles d'autres Camerounais à tuer le peuple Bamiléké. Je vous dis que, hey, elle est en mode, oui, elle est en mode Snapchat. Regardez. Une tine, je ne sais pas quel âge tu as, mais dans ta tête, tu n'as pas fini de grandir. Eh oui, tu n'as pas fini de grandir. Comme disent souvent mes filles, disent souvent mes filles, si maman, tu as been, Facebook, c'est pour les vieux. Tu fous quoi, même d'ailleurs, sur Facebook, puisque tu es en mode Snapchat. Ça, c'est pour ma fille qui n'a pas 18 ans là. Et même, je n'ai pas encore vu ce genre de vidéo sur son Snapchat. Mais oui, je n'ai pas encore vu ce genre-ci. Tu as quel âge? Tu fais encore partie des teens? Est-ce que tu fais encore? Comment ça, volume coupé? Tu fais encore partie des teens? Pourtant, je parle assez fort. Tu fais partie des teens? Tu es sur la plateforme des teens, là. Tu fais des vidéos avec plein de filtres, plein d'effets.
Tu dis que tu es trop belle. Regardons la différence entre une photo avec plein de filtres. Voilà, Simone Mokongo. Plein de filtres. Voilà. Là, voilà. Voilà. Et ensuite, Simone Mokongo. Sans filtre. Sans filtre. Bon, là, l'image, la lumière n'est pas bonne. Hein, mais là, là, voilà, sans filtre. Hein. Mais bon, voilà, bien, bien. Là, voilà, sans filtre, elle passe son temps à dire qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle. Comme si on mangeait la beauté. On mangeait la beauté. On mange ça comme du chewing-gum. Là, on dirait, je ne veux pas utiliser le nom, mais regardez. Regardez. Simone Mokongo. Et c'est cette Simone Mokongo qui dit que j'ai des seins écrasés, Simone Mokongo, de toi à moi. Je fais de la corsetterie. Donc tout ce qui est sous-vêtements et tout. Je fais de l'argent, une spécialisation en corsetterie. Simone Mokongo. Je mets ma main à couper, mets mon salaire ici sur la table. Tu as des seins qui tombent. Regardez l'implantation des seins. Tu as des seins qui tombent, maman. Regardez. Vous voyez la base des seins. Tu as les seins qui tombent. Je mets mon salaire. Tu as les seins qui tombent. Et attends, c'est dommage, hein. Oh, bon sang. Tu veux que je te montre l'implantation de mes seins? Tu veux que je te montre l'implantation de mes seins? Allez sur sa page. Elle a des tongs. Je te le dis, Roha. Et c'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Cette femme a des tongs. Regardez l'implantation des seins. Regardez l'implantation des seins. Regardez. Vous voyez la base de son sein. Oh, pardon. Vous voyez la base de son sein. Regardez la base de son sein. Ça, c'est la base. Sûrement que tu as été pubère très jeune. Les seins sont sortis. Vroup, et ça fait vroup. Chute libre. Toi, là, tu as des seins babouches. Je ne sais pas si il y a eu des enfants, tu as des seins babouches. Je te le dis, c'est pas que je... Non, c'est pas la mauvaise foi ou... Tu as des seins babouches. Eh oui. Et tu dis que tu as des oranges. Tu n'as pas d'orange. Tu as le citron de menton. Tes seins sont... Attraction terrestre. Donc, tout ce que tu débites là, c'est de la pure jalousie, oui. C'est de l'acide. Tu as le macabre propre. Eh oui, tu as le macabre propre. Toi là. Non seulement tu n'as pas grand chose sur ta poitrine là, mais ça, vroup, attraction terrestre. Chute libre. Parce que quand on s'attarde trop sur certaines choses, ça veut dire que ce sont des problèmes chez toi. Tu as les seins qui tombent, point. Eh oui, c'est Simone Mokongo. Donc nous allons sauf que recentrer le débat là. Si tu veux pas que je commence à te décortiquer. Nous allons recentrer le débat. Une belle femme, tu es belle, regarde les formes que tu as. Tu es taillée comme un mec quasiment, rien n'est marqué. Qu'est-ce qui est marqué chez toi? La taille est marquée. Ah, tu as voulu parler, la taille est marquée. Tu as dit que j'avais 66 de tour de taille. 66. Tu es là, la taille n'est pas marquée. Tu es taillé comme un mec. Quand tu mets une ceinture, on ne sait pas où se trouve le bassin, où se trouve le dessus. Et tu viens parler de nos corps ici. Il s'agit de nos corps. Nos corps sont des denrées périssables. Ça va être composté. Ouais, ça va un jour être composté. Pourquoi est-ce que tu es focalisé sur ton corps? C'est comment? Tu es narcissique. Tu es toujours en train de parler du corps, je suis belle. Le corps, je suis belle. Toi, tu as les seins babouches. Tu en sais quelque chose. Tu en sais quelque chose. Tu me vois souvent en décolleté. Si tu as vu l'implantation de mes seins. Un sein est censé rouler comme ça, mes seins roulent. Et même, si je te dis même... vraiment... Je te signale que j'ai eu une opération, j'ai été opéré des seins. J'ai 1 mètre de cicatrice. Eh oui.
J'ai 1 mètre de cicatrice, là où tu me vois assise, là. Là, tu viens parler de mes seins. Mes seins ne sont plus naturels. Hein. J'avais un sacré bonnet. Les hommes, quand ils passaient dans la rue comme ça, ils mouraient seulement dans mon décolleté. D'ailleurs, ils meurent toujours dans mon décolleté. Hein. Hein, au lieu de me regarder dans les yeux, ils sont dans les décolletés. Toi, tu cherches, tu forces même. Tu forces. On cherche sur le balcon, là, on ne voit rien. Hein, tu fais le forcing, tu portes les push-ups. Tu es dans les Wonder Bra. Si moi, je mets un Wonder Bra, ma part va se verser. Vroup. Je ne peux même pas mettre le Wonder Bra parce que le téton est dehors si je mets le Wonder Bra. Eh, il faut pas souvent venir me tester. Hein. J'ai une formation initiale en mode, donc il faut pas venir me parler de beauté. Je sais dessiner le corps de la femme. Donc quand tu viens raconter ta mamie pile, là, je rigole seulement, je souris seulement. Tu viens parler des seins. Tu devrais, toi là. Avec ta part là, tu parles, tu oses parler des airbags. Même si les airbags là tombent chez nous, ça dame seulement le pion à ta part. Hein. Eh oui, à mon Congo. Eh oui, ça dame. Ta page n'est qu'une page de haine. Tu dis que tu luttes pour. Tu es sûr que tu luttes pour le Cameroun même. Je ne sais pas pourquoi tu luttes, mais que la haine. Ta page ne donne même pas envie d'aller au Cameroun. Vous êtes là pour défendre. Ce qui existe au Cameroun, non. Vous voulez pas que le Cameroun change positivement. Donc, même faire la promotion de ce sale Cameroun-là, il ne voit pas sur ta page. Oui, tu ne fais même pas la promotion de ce sale Cameroun. Nous, nous luttons, nous décrions, hein, nous décrions ce que le Pomba a fait du Cameroun. Mais toi, tu devrais vendre ça. Tu devrais donner l'envie aux étrangers, aux Camerounais de la diaspora, d'y aller. Hein, du genre, ah, venez me donner 10 000 euros, j'organise un parcours touristique. Mais non, je suis sur ta page, je ne vois rien de tout ça. Mais quand il faut faire un poste ou bien relayer un poste de haine, champion du monde, tu n'as pas encore fini d'entrer dans l'IB de mon Maxou. Tu vas mourir là-bas. T'as pas dit que nous sommes condamnés à parler de toi. Non, c'est toi qui es condamné. Hey, tout à l'heure, dès qu'elle va couper le direct, tu es en train de suivre. Dès qu'elle va couper là, tu vas entrer dans l'IB. Tu vas commencer à vomir. Elle vous dit qu'elle est belle. Regardez. Elle vous dit qu'elle est belle. Hein. Voilà le sac là. Regardez, voilà le sac là. Mon Congo, tu es différent de moi. Tu connais mon corps. Hein. Regarde, tu es enceinte, c'est comment? Hein, mon Congo? Tu es enceinte? Oui, mon Dieu, elle travaille dans le monde médical, pardon. Oh, j'espère que non. J'espère que non. Oh, que Dieu nous préserve. Oh, je vois une tenue, un genre. Non, non, c'est plutôt. Tu fais l'entretien. Tu fais l'entretien. Tu travailles pour la région. Pour une région. Et tu fais l'entretien. C'est bizarre. Il a vu ça, hein, quelque part, là. Ce tablier, quelque part. Et chez les fonctionnaires, hein, dans un foyer, j'ai déjà vu ce tablier. Bon, là n'est pas le problème. Quand toi-même tu regardes ton profil là, tu as l'impression que tu es différente de moi. Moi j'ai 2 enfants, 46 ans. Toi tu es jeune, belle et compagnie, avec des goûts de chiottes. Hein, c'est vous qui voulez souvent qu'on vous taille, avec des goûts de chiottes. Tu mets des soquettes comme ça, maman, tu as la mode jusqu'à. Hein? Faut que je t'envoie ma fille. Pourquoi je t'envoie ma fille qui fait des études de communication là? Hein? Elle va te redresser comme on redresse un i. Tu mets des sockets en résille. Maman Sarah. Le genre de mode là, hein, vraiment. On ne peut même pas dire que ce soit démodé. Toi là, tu es un sac à patates comme moi. Tu es un sac à patates comme moi. Moi, au moins, j'ai le muscle. Maman, le jour où tu vas me rencontrer, pardon, ne me donne pas un coup de poing, tu vas repartir en faisant oui. Moi, au moins, j'ai le corps ferme. Toi, là, dans tous les sens, wara, tu es versé comme moi, tu viens parler de la beauté. Tu viens parler de la beauté à qui? Tu viens parler de la beauté à qui? Tu veux être célèbre, non, non, je vais contribuer à la chose. Je vais te restituer tous tes droits. Tous les droits réservés à Simone Mokongo. Commence déjà à préparer
les insultes que tu vas verser sur. Tu vas verser sur mon Maxou dans quelques minutes là. Commence à préparer son thé. Et s'il te plaît, innove et recentre-nous le débat. Quand tu fermes les yeux, tu regardes le Cameroun, tu as l'impression que ce pays-là tient. Et tu vis en France, hein. Tu as l'impression que, regardez-moi ça, et à Zambédou, regardez, tu parles même de beauté à qui? Regarde la peau. Regardez la peau. Regardez la peau de quelqu'un. Elle va venir vous dire qu'elle est trop belle. Regardez la peau. Tu ne sais pas entretenir ta peau. Pourtant, moi, je ne mets pas grand-chose. Hein. Regarde ma peau. 46 ans. Regarde ma peau. 46 ans. Hein. 46 ans, bien sonné. Moi, si ce n'est même pas encore 47, est-ce que moi, je compte même encore? Quand tu parles de beauté, là, tu dis que, oh, la laide fille qui a les seins écrasés, là, tu as vu le grain de ma peau. Est-ce que tu as vu, tu as bien vu le grain de ma peau? Tu peux m'envoyer une aiguille avec du fil noir, s'il te plaît? Tu veux faire quoi avec du fil noir? Waouh! Coup d'enfant. Donc tu es toujours dans la mode doublon. Non, mais c'est parce que le soutif que je porte, il est trop petit, celui d'en bas. Et pourquoi tu portes celui d'en bas? Tu me le fous à la poubelle? Non, je l'aime bien. C'est mon soutif Oh, préféré. écoute, après, la dame là-bas dit que tu portes tes soutifs comme Merci. le comment on appelle? Que tu portes ça comme le sac à dos. Oui, les femmes du Cameroun, waouh! C'est retour sur investissement. Nous parlons de notre pays. Au lieu de recentrer le débat, cette folle alliée passe son temps à parler de la beauté et la laideur des uns et des autres. Donc, je retourne sur bêtise, hein. Oui. Nous pouvons tous être cons. Nous pouvons tous être cons. Mon exercice, c'est pour vous prouver que nous pouvons tous être cons. Nous recentrons le débat. Je pose une question simple à ce groupe de haineux. Pourquoi est-ce que vous passez votre temps à appeler d'autres Camerounais à aller tuer les Bamileke? Oui, recentrons le débat. Recentrons le débat. Laissons les physiques, laissons les soutifs portés tels des, comment on appelle, les sacs à dos. Laisse mes seins babouches. Recentrons le débat. Nous parlons de l'avenir d'une nation. Nous parlons de l'avenir d'une nation. Et la nation est au-dessus de nous parce que nous sommes des denrées périssables. Recentrons le débat. Je peux être vache et encore là, franchement, là, je suis gentil. Je peux être nuisible. Donc, Simone Mokongo, et moi, je n'ai pas l'injure facile, hein. Je n'ai pas l'injure facile. J'ai une agrégation à l'injure, mais je ne l'ai pas facile. Vous m'avez entendu démarrer hier à Néon-Donon. C'est dans ma mémoire lointaine. Mais si je me concentre un tout petit peu, c'est-à-dire, je vais être, on va me mettre à côté de la coach des camions, là. Comme elle pense qu'elle est la seule. Elle est la seule à savoir injurier. Elle est la seule à savoir injurier. Hein, Simone Mokongo. Simone Mokongo. Un soignou. Oui. Un soignou. Tu es là, tu dis que oh, tu es trop belle. Tu es trop belle. Avec les yeux qui tombent là, tels des lampadaires qu'on est en train d'éteindre. Tu veux que je te passe un savon? Un soignon. J'ai de grandes lèvres, mais pour toi là, un soignon. Avec les yeux qui dorment, comme on disait souvent à l'école. Avec le nez où je ne sais pas entre deux, où il est taillé comme le mien, où il est épaté. Il faut savoir, la nature hésitait entre, ah, le nez bien, hein, le nez bien est reparti là, et le nez épaté. Comment on l'appelle? Dieu a commencé à mouler ça comme ça, après il t'a donné un coup dessus, Kim. En Rumba, mon grand-père disait que, diga, oh, douem, vous les bogel. Il a dit que regarde le nez comme la poire des pygmées.
Oui, la poire à babouane. Oui, la poire à lavement. Il y a une insulte en Goumba. Mon grand-père, il aimait souvent taquiner avec. Il disait ça. Il disait ça à qui? Il disait ça à ma soeur. Oui, parce que moi, je suis une exception chez moi. Ah oui, ma mère et moi avons des nez. Oui, taillés par. Par le grand sculpteur. Oui. Mon grand-père disait souvent à ma petite soeur, en lui donnant un coup comme ça, affectueusement comme ça, que regarde le nez court, comme la poire des pygmées. Je n'ai jamais vu la poire des pygmées. Apparemment, la poire est plus petite que la poire que nous utilisons dans le sud. Oui, titil, douem, bimfou, la bogiel. Le nez court comme la poire des pygmées. Tu viens, tu parles de beauté. Tu parles de beauté à qui? Je ne t'avais pas encore regardé de près, mais maman, non, non, non. Simone Mokongo. Aussi, on a B, pas B, mais tu es quelconque. Oui, tu es quelconque, tu n'es pas belle, je suis désolée. Non, 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 tu n'es pas une belle femme. Ceux qui te trompent là, ce sont les filtres des téléphones. Ce sont les filtres du téléphone qui te trompent. Tu n'es pas belle, ma chérie. Et c'est ça qui te bouffe. Quand tu vois des vieilles femmes de 46 ans comme ça, tu te dis, hé, hey, maman Sarah est. À 46 ans, tu vas ressembler à quoi? Hein? Quand les hommes auront fini d'amortir la bêtise, là. Hein? Comme tu es très porté sur la chose là, tu passes ton temps à parler des mimbans. Quand tu fermes les yeux, tu ne vois que les testicules des mecs. Hein? Mimban à gauche, mimban à droite. Tu ne peux pas ouvrir la bouche en disant que mimbans sont montés. Oh, les mimbans sont descendus. Les mimbangs des hommes qui ne sont même pas les tiens. Tu parlais des mimbangs des hommes qui ne sont pas à toi, que tu as vu leur mimbang où? Pourquoi est-ce que ta tête est trop mimbang des autres là, des hommes qui ne sont pas à toi? Hein? Tu ne peux pas ouvrir la bouche sans parler des mimbangs. Ou soit fort pour eux. Hein? Hein, oui. Simone, je t'ai dit que je ne fais que je n'ai même pas encore commencé. Il a eu les hommes. Maman, Oui? pourquoi je crie mon père? Tu Là, peux c'est ça. arranger ça, s'il te plaît? Oh, Chiara, tu es obligée de porter ce pantalon. Pourquoi Bah t'as oui. maigri? Bah non, je suis pas grosse, c'est que. Tu as pris du poids et pas dit que tu étais Je n'ai grosse? pas pris du poids. Si? Non. Moi, je dis que Moi, si. je Où fais est du kilo. l'aiguille? Quelle aiguille? Ah ouais. Et puis, pourquoi est-ce que Allez, allez, tu. allez, allez, allez. Moi, faut que j'aille travailler. Allez, maman. Oh, ces enfants. Pourquoi tu ne me l'as pas apporté que je passe ça à la machine? Comment ça, quelle machine? C'est plus rapide à la machine? Excusez-moi la famille. Donc tu viens d'être sauvée là. Je dois passer le pantalon de ma fille à la machine. Ah chouette ou quoi? Tu viens d'être sauvée. Eh, mais moi j'ai pas le temps que tu le passes à la machine. Je vais te passer ça en rouge et puis j'enlèverai plus tard. En rouge? Tu sais que c'est le côté de mes fesses, ça. Et alors? Tu veux, tu as le temps? Je change le fil alors. Bah c'est toi qui dis que tu n'as pas de temps. Et Simone de Congo, tu viens d'être sauvée par ma fille. I swear to God. Tu viens d'être sauvée par ma fille. Continue à biaiser. Hein? Continue à biaiser le sujet. Tu vas me sentir. Quand tu penses que nous autres là ne pouvons pas tomber dans les travers de la bêtise. Nous parlons du Cameroun. Tu es là, tu parles de nos petites personnes. Où est-ce que j'ai mis mes. Oh, j'ai encore déplacé. Donne-moi la boîte de chocolat en dessous là-bas, s'il te plaît. Quelle boîte de chocolat? Il y a du chocolat, non? Oh, tu peux te courir. Là? Oui, donne-moi ça, s'il te plaît. Non, en dessous. Et puis cesse de te balader à poil ici. Tu vas Je passer dans suis la direction. pas à poil. Regarde là, regarde mon doigt. Hein? Mais il y a du chocolat dans le truc que je viens de commander. Chiara, sinon je te laisse avec ton pantalon là, tu vas sortir les fesses à moi. Mais elles sont pas là mes fesses, j'ai cousu à l'intérieur. Oh, tiens, qu'elle est bonne celle-là. Tu peux pas apprendre à coudre, moi j'ai appris à coudre. Ah, tu moi je suis pas couturière, moi je suis cuisinière, c'est pas pareil. J'ai appris à coudre parce que moi j'étais couturière quand j'ai commencé. Mais toi t'as envie de faire couturière, mais vous pouvez. Bon, mais à l'époque je savais pas qu'on allait forcément faire couture. Hein. Mais c'est les torchons ça. Me faites pas mes torchons. Et si tu rangeais tes affaires, peut-être que je les appellerai pas. Non, la famille. Le devoir m'appelle avec mademoiselle qui a les soutifs comme le porte. Elle double même les soutifs, je ne sais pas pourquoi vraiment. Et sors de mon direct, s'il te plaît. J'ai faim.
La famille, je suis là, ma fille vient de me couper dans mon élan. Hein? Un petit tour de terrain là avec Simone Mokongo, comme elle pense qu'elle est trop sauvage. Elle ne sait pas que nous sommes tous des enfants du 237. Animés par la même sauvagerie. Non, mes chers frères et sœurs, je récupère les copies. Hein? Le père Mendoza, à ce que je sache, est toujours en gata. Vous êtes là, vous ne faites que dire que oh, les Bamlékés nous trompent. Oh, les ceci, les Bamlékés vous trompent comment? La vie, Foning, qu'est-ce que Foning disait? Foning disait que la vie était quoi? Un combat? Non, c'était pas ça. La vie est une bastonnade. La vie est une bastonnade. Les autres sont là, ils luttent. Ils luttent pour une meilleure existence. Vous êtes là, vous dormez, vous nagez dans le matango. Vous nagez dans le dontol. Et après, vous venez dire, oh, les Bamlékés nous trompent. Ils vous trompent en quoi? Ils vous ont demandé de dormir. Est-ce que les enfants de l'Ouest vous ont demandé de dormir? Pas du tout. Quand vous êtes de gros feignants là et vous êtes des irresponsables comme le Congo qui dit que non, est-ce que j'ai fait quelque chose? Je n'ai même rien fait. Ce sont eux qui me détestent. Bon, je vais agrandir un tout petit peu quand même. Hein. Parce que si ça éclate là, ça veut dire que... Ils nous trompent. Ils nous ont toujours trompés. On te trompe, c'est que tu es un boutoukou. On te trompe une fois, on te trompe deux fois. Si on te trompe 10 fois, c'est que le problème c'est toi le moutoukou. Oh, fais pas ça, les marches arrière, mais bon, pénible. On te trompe de génération en génération. Tu es là, tu passes ton temps à pleurer. Oh, selon toi, on te trompe. Trouve-nous la solution. Non, tu es assis là. Et tu passes ton temps à dire wayayouille. Il me trompe. Il a trompé mon père. Il m'a trompé. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à te tromper? Pourquoi est-ce qu'il continue à te tromper donc? Oh, il avait vendu mon père. Mon grand-père avait vendu le terrain moins cher. C'était le coût du terrain à l'époque. Et donc, c'est une affaire. Et le commerce, hein? J'ai mal au dos. Tu as mal au dos? Aux dents, tu recommandes tes histoires de dents. Mais c'est une folie, ce dont tu ne pas. Oh ben, tu as bientôt 18 ans là, tu prends rendez-vous. Mais je sais pas, j'arrive pas. Il y a le centre dentaire là. Je sais pas comment prendre rendez-vous. Oh ben, tu vas apprendre, tiens donc. Quelle est bonne celle-là? Mais t'as qu'à montrer aussi. Oh ben, tiens, quelle est bonne celle-là. Tu vois, quand je suis arrivée ici en Ben, quelqu'un m'a tenu la main pour que j'apprenne à prendre rendez-vous. Ouais, ben moi j'ai une mère, tu vois. Ben tiens, ben la mienne, elle est peut-être décédée, tiens, quelle est bonne. Tiens, voilà, ton pantalon ressemble à quelque chose. Tu vois, ça a pris 2 secondes. Ouais, merci. C'est gratuit. Oh, il y a plus de... Tu as fait un travail de bédouin. N'importe quoi. Alors. Là, elle fait la bouche maintenant, il faut être camerounais. J'ai fini de raccommoder son parfum. Son... Je t'ai dit merci. Ah. Moi, j'ai entendu gna 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 gna. Ah non, c'était... Je disais donc que aujourd'hui, vous vous levez. Oh, les Bamlékés ont acheté mon terrain moins cher. Vous devez quitter les terres. Mais la valeur de ton terrain en 1960 n'est plus la valeur de ton terrain en 2021, mon petit. À l'époque, nos grands-parents ont acheté des morceaux de terre en friche, des forêts, et ont viabilisé. Aujourd'hui, on achète des terrains dans les villes. Avant, c'était dans les brousses. Bah, alors, c'était comment d'ailleurs? Non, ça n'a pas la même valeur. Vous venez là, voir, quoi, 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 quoi. Pardon? Ça ne se déchire pas? Mais non, ça se déchire. C'est que j'ai pas grossi. C'est ça que je cherchais en plus. Merci. Oh, ils avaient trompé nos parents. Oh, ils avaient trompé nos... Quelle tromperie? Il y en a... Je ne sais pas. Sûrement que cet appart coûtait, je ne sais pas, 50 000 euros. Il y a 50 ans. Aujourd'hui, ce machin-là coûte sûrement 5 fois plus. Ah bah, maman, il est là, s'il te plaît. Pardon? Il est là, s'il te plaît. J'en sais frichement rien. Il est 9h14. Ah, vous êtes là, au lieu de vivre dans un monde réel, vous vivez dans vos têtes. Et vous êtes tels les répétiteurs.
Si vu qu'un imbécile leur dise quelque chose, boum, vous répétez ça, tels les idiots. Oh, ils nous ont trompés. Oh, ceci, oh, cela. Comment ça, ils vous ont trompés? Et il fut un temps, on vendait même pas les terrains, on donnait. Tu apportais à boire. Et on te donnait une parcelle. Parce que les Camerounais vivaient encore ensemble. Parce que les Camerounais vivaient ensemble. Mon grand-père a eu à donner un morceau de terrain comme ça à un de ses amis. À un de ses amis de l'autre côté, j'avoue qu'aujourd'hui, ça nous fait un tout petit peu chier parce que notre... Moi, j'ai vu ça du même moi. Notre cimetière est juste à côté de chez eux, là. Du coup, c'est un peu problématique. Mais ça se faisait avant. Tu arrivais dans un coin. Quand on affectait un Camerounais dans un coin, hein, les natifs de cet endroit-là, quand je sais pas, l'enseignant mettait Yalon dans le coin parce que on t'affectait, tu savais pas si tu allais passer ta carrière là ou un jour, si tu allais partir. Il y a des personnes qu'on n'a plus jamais réaffectées, qui sont arrivées quelque part, on les a oubliées et qui y ont passé leur vie. Je vous dis que mon feu oncle a une maison à Bouddha. Il a passé un certain nombre d'années à Bouddha. D'ailleurs, j'ai un cousin qu'on appelle l'homme de Bouddha. On donnait, on ne vendait pas les terres. Vous arrivez là avec votre sorcellerie. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. On ne vendait pas les terres. Quand on disait qu'on apportait à boire, tu apportais une damgène de vin rouge. On s'asseyait. Et puis on disait que désormais le terrain là a été donné à notre fils adoptif. Comment est-ce que le roi Soukoundjo a fait pour être adopté dans le sud? Il a grandi. Quand il parle, c'est avec un accent. Quand il parle même, il parle sa langue maternelle. Il n'a pas cet accent du quoi. Quand il parle Ewondo, on le met derrière une porte. C'est un Ewondo. Et c'est un Ewondo d'ailleurs. Culturellement, il est Ewondo. Bloquer, oh, bloquer ou supprimer le commentaire, moi, mais je ne sais plus. Mais vous êtes la nouvelle génération, votre histoire, vous ne connaissez pas. Il y a une imbécile qui a fait une apparition dans un des directeurs de cette Simone Mokongo. Elle a débité un certain nombre de choses sans aucun sens. Sans, oh, les Bamilékés ont tué les mots, oh, les Bamilékés, ceci, tout simplement pour diaboliser les Bamilékés. L'imbécile là doit être né là après les années 2000. Elle ne connaît rien du Cameroun. On ne vend pas les terres. On ne vendait pas les terres. On donnait. C'est parce qu'on vous a pas raconté votre histoire. La vente des terres est moderne là. C'était hier là quand le Nguema a commencé à attraper les Camerounais. Est-ce que les Camerounais mouraient de faim? Les Camerounais ne mouraient pas de faim. On donnait les terres. Puisque nous-mêmes dans nos villages, est-ce que nous avons acheté les terres? C'est avec la modernisation qu'on donne du prix à tout. Dans les villages, si on vend les terres, bon, à part vos ministres là qui cèdent, et ils cèdent la terre en exploitation pour un certain nombre d'années, et avec une contrepartie. Dans notre histoire, on ne vend pas les terres. Il y en a assez même pour tout le monde, on viabilise. Si tu as la force, tu vas percer une forêt là, tu commences à viabiliser la bêtise. Hein? Mon arrière-grand-père a annexer les terres comme ça par le travail. Tu poses une cacaroyère ici, tu poses une bananeraie ici, tu poses. Et c'est comme ça que, à la longue, à force d'entretenir ces terres-là, on va dire que ce sont les terres d'un tel. Quelqu'un a le titre foncier de ces forêts-là. Ou bien parce que nous parlons des capitales. Et encore, il y a des imbéciles qui ne sont pas de la capitale qui viennent s'en mêler. Ce sont des capitales, c'est comme ça. Demain, il y aura des personnes ici de Yaoundé qui le seront parce que né à Yaoundé. Quand vous vivez ici en Bengue, vous avez un certain nombre d'imbéciles, vous vivez ici en Bengue, quelqu'un va vous dire, je suis Toulousain. Mais ses parents, il va dire, je suis Toulousain. Mais tu vas lui dire, où sont tes parents? Il va dire que mes parents sont en Bretagne. Ça ne vous a jamais semblé... Non. Ma fille, si ma fille reste à Grenoble, elle ne dira plus qu'elle est lyonnaise. Elle se marie à Grenoble, elle fonde son foyer là-bas, ben, elle devient grenobloise. Hein? Elle va voter à Grenoble. Mais vous êtes souvent... C'est-à-dire, les Camerounais ont un esprit... Mais votre esprit tourne au ralenti. Hein? Dans ce pays, nous votons où? Nous sommes recensés où? Je vous pose une question. Nous qui vivons à l'extérieur, là. Même à Yaoundé, même au Cameroun, trop tard. Et puis là, c'est pas pareil, je ne peux pas coudre comme ça, il faut que j'ouvre, c'est plus long. Donc tu portes un truc qui est couvrant, là, tu te balades avec les...
Même au Cameroun, là, quand on fait un recensement, du moins, quand on faisait des recensements, on recensait les hommes ou on recense les hommes ou pas, de là le monde. On te recense dans le village de ton père et ta mère, où tu n'as jamais mis les pieds. On te recense là où tu vis. Où se trouve ton domicile principal? C'est là où on te recense. Maman, demain, quand on dira, du moins le jour le faut. Pardon? T'as rien à faire aujourd'hui. Oh, mais je suis en train de dire. Mais c'est important, faut que tu me refasses ma carte de bus. Et pourquoi je referais ta carte de bus? Ah non, non, toi-même, tu vas aller faire ta carte de bus. Ça ouvre à 7h30 maintenant. Moi, j'ai dû refaire la mienne. Et puis la carte de bus, c'était elle est jolie maintenant. Tu prends la tienne? Non. Mais je te la rends. Il y a les tickets là quelque part. Tu prends les tickets, tu prends pas ma carte parce que c'est fraudé ça. Sur le truc là, il y a des tickets. Non, sur le canapé même. J'ai vidé mon sac. Il y a des tickets là. Et tu as intérêt à aller refaire ta carte. Hein. Oui, je vais y aller. Sinon, elle ne sera pas chargée. Si on coupe encore le prélèvement là, moi, je ne m'en mêle plus. Mais joli, joli. Il n'y a pas de ticket. Comment ça, il n'y a pas de ticket? C'est moi qui ai des. Tu riches. Ne me fais pas bavarder. Hein. Donc, demain, tu te. Nous sommes demain. Nous sommes samedi demain. Je vais pas aller faire ma carte TC la samedi. Ah, mais je travaille peut-être demain. Ah, c'est toi qui vois. Et le pire, c'est que mais je ne te rajoute pas le ticket. Tu vis ta vie. Comme tu penses qu'aller à Bellecour, là, avant d'aller au boulot, tu ne peux pas sortir, tu vas à Bellecour avant d'aller au boulot. C'est sur la place, c'est au 6 rue, c'est quoi, rue quoi? Rue de la barre. Si c'est la rue de la barre. Aller à Bellecour un matin pour aller refaire une tarte. Ah, ben c'est toi qui vois, je te donne. Tu vas à Pardieu, c'est à côté. Tu travailles à Pardieu, tu travailles pas dans l'autre sens. Bah, c'est pas grave, on reprend le terrain après. C'est toi qui vois. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de me saouler? Où téléphone? Je disais donc que la vente des terres est arrivée avec le game des Camerounais. Avant, on ne vendait pas les terres. Tu donnais un bout de terrain à quelqu'un. Eh oui. Donc, vous qui racontez là que oh, les Bamlékés sont venus arracher les terres. Non! Bamlékés ne sont pas venus arracher les terres. Personne n'a arraché la terre de personne. Personne n'est né avec une terre. Les travailleurs ont beaucoup de terres aujourd'hui, tout simplement parce que ces travailleurs ont viabilisé. Ces travailleurs ont viabilisé des parcelles de terre. Et vous ne suivez même pas, vous ne suivez même pas l'histoire du monde. Il y a une célèbre histoire à Londres. Un sans-abri qui est resté 30 ans dans le parc. Le gars a mis les cartons là. Il est resté là 30 ans, mon gars. Au bout de 30 ans, le jour. 30 ans, gris. Le gars est passé à la télé. C'est sa propriété, c'est sa chose. Parce que la loi dit que si tu viabilises une, tu entretiens. Il balaye, non? Il entretient. Il a vu, malgré le fait qu'il soit dans une maison en carton. C'est lui qui a entretenu le bout là. 30 ans. Et vous savez combien coûte son bout de. Vous savez combien coûte son bout de terrain là? Vous savez la talakou qu'on lui fait pour qu'il revende ça à la ville? Donc vous avez des idiots. Je parlais de recensement. Est-ce que vous êtes recensé dans le village de vos ancêtres? Vous êtes recensé là où vous vivez? Là où vous avez votre domicile principal? Ma fille est à Grenoble. Elle peut faire le choix d'être recensée là-bas. Mais elle va dire que non, 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 moi je suis juste là pour 9 mois. Et pour que les choses soient équilibrées, on va la recenser ici à la maison. Là où se trouve ton domicile principal, elle est à Grenoble pour faire des études. On te recense là où tu vis. On ne te recense pas là où sont nés tes ancêtres. Parce que pour la plupart, même d'entre nous, là, soit c'est devenu la ville, soit c'est devenu la nature a repris ses droits. Comme tu dis, la terre appartient aux premiers occupants. Donc si tu trouves une terre vierge là, sans personne dessus, tu t'assois là, tu restes là 30 ans. Au bout de 30 ans, c'est à toi. Vous êtes là, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas viabiliser les terres, mais vous passez votre temps à dire que la vallée d'une terre est à vous. Hein? Le ceci est à vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les terres appartiennent aux travailleurs, aux investisseurs. Et c'est une impression que vous avez quand vous dites que oh, les Bamlékés sont remplis. Dans quels Bamlékés sont remplis où? C'est une impression que vous avez. Douala est cosmopolite. Yaoundé est cosmopolite. Je ne suis pas sûr que dans ces villes-là, il y ait plus de Bamlékés qu'une autre ethnie. C'est une impression que vous avez. Et parce que vous voulez faire d'eux des éléments remarquables. Et pourquoi? Ben parce qu'ils ont passé leur temps à se battre. Ils ont passé leur temps à créer de la richesse, à évoluer.
Ils sont arrivés à Yaoundé avec un baluchon. Et quand ils disparaissent, ils partent de ce monde, ils laissent une case, au moins une case à l'enfant. Mais vous êtes là. Vous entrez dans la première maison de l'ancêtre, la maison que l'ancêtre a posée là. Vous entrez, vous n'innovez même pas, vous n'agrandissez même pas. Quand une motte de terre tombe, vous laissez la motte où elle est, vous laissez le trou là, vous continuez à vivre au gré des vents. Non, pardon, mes frères du Sud, il faut arrêter avec la sorcellerie. Hein? Le monde a évolué, nous sommes des personnes cultivées, nous, en principe. D'éviter ce genre de conneries, vraiment, c'est d'un autre âge. Et même, il y a quelques années, il y a des dizaines, il y a même un siècle, les Camerounais ne s'exprimaient pas comme vous, là, les nouveaux Doumkoff. Et surtout que c'est de la faute de nos propres frères. Ce sont nos propres frères qui sont là-haut. Ce sont eux qui vendent les parcelles de terrain. Ce sont eux qui, vous oubliez que nos propres frères même arrivent dans nos villages, chassent les personnes qui sont là-bas au village, qui mettent leur macabo ici, ils chassent pour faire d'énormes plantations. Vous oubliez ça. Ce sont les Bamiléko aussi qui font ça dans nos sud-là. Tous ces grands ministres-là n'ont pas eu à chasser leurs frères des terres parce qu'ils voulaient les exploiter. Faut pas souvent nous pousser à bout, Faut pas souvent nous pousser à bout. Nous avons plus d'un ministre qui ont eu à faire ça. Chasser leurs propres frères, leurs propres sang. Il n'y avait pas de Bamiléké, il n'y avait pas l'histoire de Bamiléké dedans. Les chasser d'une portion de terrain parce que cette portion-là avait quelque chose qui les arrange. Soit c'était bien placé géographiquement, soit c'était une terre spéciale pour faire X choses. Donc, s'il vous plaît, l'assemblée des haineux du 237, là, il faut nous tolérer. La souris de laboratoire, ma souris à moi, ma souris personnelle, ces jours-ci, c'est Simone Mokongo. Simone, ton pied, mon pied. Eh oui, mon pied, ton pied, ou ton pied, mon pied. Trop, c'est trop. Comme nous vous avons laissé faire pendant de longs mois, vous vous êtes dit que, oh, amen, la terre est fertile, nous pouvons faire la plantation. Amen, la terre est fertile, nous pouvons faire la plantation. Oh que non, c'est terminé, la récré est terminée. Retour sur bêtise. Votre champ là, vous allez sauf que récolter. Ah, elle est aide-soignante. Ah, d'accord. Une aide-soignante, pardon, toi là, si un jour je me fais hospitaliser, et je te vois apparaître, la crise que je vais piquer là. Toi, aide-soignante. Maman de Webinetta. Toi, là, aide-soignante. Oh. Une aide-soignante. Tu es dans le milieu, tu travailles pour le milieu hospitalier et tu es bourré de... Oh, aide-soignante ailleurs. Peut-être dans une maison de retraite, tu maltraites les vieux, les petits vieux. Non? Aide-soignante ne veut pas forcément dire que tu es dans un hôpital. Hein? Tu peux être dans une maison de retraite. Aide-soignante. ouais. Tu m'étonnes. Aide-soignante. Et tu es narcissique. Elle a dit qu'elle voulait me voir en talon, n'est-ce pas? Et vraiment. Tu t'habilles vraiment comme une maboya. Regardez, elle a toujours des jupes à ras la foufoune. Regardez. Mon Congo. C'est même pas le short. Regardez. Attendez, il va apparaître demain en talon et en mini-jupe. Eh oui, me congo pas le bep. Quand il dit que tu es un garçon manqué, regarde le mollet, regardez le mollet. Me congo, toi et moi allons courir. Là, il y a mes zambas. Toi et moi allons courir, regardez le mollet de madame. Ah ouais, ouais. Elle vous dit que, oh, machin, elle est... Elle aimerait nous voir apparaître en talon. Attends, alors, tu vas me voir demain avec la mini-jupe. Minal, mi foi. Minal, mi foi. On dirait une fille qui va sur les quais. On dirait une fille qui va sur les quais. Il l'a yo bezamba. Qu'est-ce que tu racontes? T'as dit quoi? Vraiment. T'as dit quoi? Avec les mollets racis, tels les mollets de coq. Vas-y, on dirait quoi? Mon Congo. Je sais pas quand je fais ça. Je suis trop belle. Regardez le tour de taille. Tu es trop belle, non? Maman. T'as dit quoi? J'ai dit quoi? Non, j'ai rien dit. Non, j'ai. Tu es trop belle.
Le tour de taille. C'est trop belle, non? C'est trop belle. À y regarder de plus près, vraiment. C'est méchant, parce que je mange du chocolat. À y regarder de plus près. Il a eu des embâts. Tu n'es pas belle, ma chérie. Eh oui, tu n'es pas belle. Tu es complexée. À y regarder de plus près, tu es complexée. Tu ne peux pas dire que le corps tu as. Quand j'avais ton âge, Ndolé, crevette, ma chérie. Ndolé. La libellule. On m'avait surnommé la gazelle parce que je sprintais le feu du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Tu es là, tu viens à Zouyagno. Tu ouvres ta large gueule là, qui t'a posé une question? Disait Joyeux Seba. Bon, fin du direct à la famille. J'attends les bruits de Simone Mokongo dans l'Ibé de mon Maxi à moi. Je suis belle. Vraiment. Il y en a qui ont de sérieux problèmes ici dehors. Wallahi. Il y en a qui ont de sérieux problèmes ici dehors. Wallahi, bilahi. Quand j'étais encore moi-même. Quand j'étais encore moi-même, pas les pète-pète. Tu n'es pas différente de moi. Tu as un gros ventre là comme moi. Et je suis sûre que je suis même plus âgée que toi sur cette photo. C'est parce que je ne suis pas seule. Eh oui, la famille. Vous aimez entendre. Va sur mon mur, tu vas voir. Vous n'êtes pas belle. Oh, la laide femme. Elle a les seins pilés. Elle a les ceci. Elle a les cela. Elle a les seins combien? Oh, colo, la mère. Tu veux que je te montre mon décolleté? Pardon, il faut quitter les problèmes. Regarde ma peau. Pas les pète-pète là, regarde ma peau. Regarde, cette photo, vous la connaissez, non? Regarde la peau de quelqu'un. Même avec les filtres là, tu n'arrives pas à sortir une photo avec la peau lisse. Minalmi, sorcière, va. Tu veux voir les jambes? Ce sont les jambes que tu veux voir. Regarde, voilà mes jambes. Faut aller sur mon mur, ma chérie, avant de dire que je suis laide. Il faut regarder les jambes de quelqu'un. Vous aimez entendre. Moi aussi, je fais ma pub, non? Je ne veux pas que je fasse ma pub. Moi aussi, je fais ma pub. Tu utilises des filtres et tu ne peux pas avoir une photo avec le grain de peau lisse comme ça, ma mère. Tu as vu le grain de peau de quelqu'un? Lisse. Pas les pète-pète, hein? Va sur mon mur. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas sur mon mur? Faut aller sur mon mur. Il faut soit aller prendre les photos sur mon mur. Regardez comment la peau est uniforme. Même le filtre de ton téléphone ne fait pas le genre là sur toi. Pourquoi non? Ça ne fait pas le genre sur toi. Pourquoi? Tu es versé là comme moi. Tu apportes ton mauvais esprit là. Tu es versé. Tu es versé. Sans filtre. C'est moi là sans filtre, tu as vu? C'est moi sans filtre. Cet été, moi aussi, je vais sortir. Il y a le conseil de papa, non? Nous allons toutes sortir avec les shorts mimbon. Ah oui! Avec les shorts mimbon. Nous allons sortir avec les shorts mimbon. Ah, mof mide. Ça va être chaud bouillant. Pas les pète-pètes là. Il faut que je repère un petit short mimbon là. Il va y avoir du sport. Pas les pète-pètes. I swear to God. La mère va faire une apparition en short mimbon, mimaniabe. Allez sur mon mur. À moi là, je me néglige. Voilà mon œuvre. Pas les pète-pètes. Mes blanches mains.
brodé entièrement. Entièrement, je vous dis entièrement. Brodé à la main, une perle à la fois, pas les pète-pète là. Je suis quelqu'un de très patient, faut pas venir me chercher. Allez sur mon mur. Je ne suis pas un faux profil. Allez sur mon mur. Pas les bep-bep-bep. Trop d'un fourreau. Trop d'un fourreau. Pas les bavardages que vous nous sortez souvent là. Non. Pas le bavardage. Allez sur mon mur. Allez prendre les photos sur mon mur. Quand vous voulez détraquer quelqu'un, vous voulez, tu veux parler de la poitrine qui tombe. Moi, voici un décolleté, non. Regardez au milieu là. Nami. Hein? Nami, regardez au milieu là. C'est moi, non. C'est pas le décolleté, ça. Et là, j'ai la quarantaine. J'ai y a 40 ans là. Bande de sorcières. J'ai y a 40 ans là. Bah oui. Et je suis avec des petites jeunettes qui ont 18 ans. Eh, vraiment. Vraiment, vraiment. Je suis avec des petites jeunettes qui ont 18 ans. Est-ce que vous avez l'impression que je suis, comment dire, que j'ai honte là? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai honte là? Ah non, mais là, j'ai décidé de faire du grand désordre. Je suis sur mon mur là, moi, je Wanda. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces photos. Allez sur mon mur, vous allez voir. Donc vous pensez souvent que les autres là ont été accouchés par je ne sais pas quoi. Hein? Nous autres là, on nous a pondus. Hein? Telle la vipère largue ses enfants, vroup. Nous ne sommes pas les enfants de quelqu'un. Ah ouais, bah. J'ai y a 40 ans là, hein? La famille, j'ai y a 40 ans là. Regardez. Regardez. J'ai 40 ans. Allez sur mon mur, moi aussi, je me vante. Je me vante aujourd'hui de beaux souvenirs. Hein? De beaux souvenirs. Là, j'étais en bottom-off middle. On m'avait tiré quelques minutes plus tard en train de non. Hein? Regardez, ça, c'est me, it's me. Ah oui, je réponds toujours. Je donne de la matière à du grain à moudre à Mokongo. Je ne sais pas si c'est la fille de Mokongo, président. Ah ouais, ça c'est. Ah ouais! Ah là là, regardez. Oh, j'étais chou, hein. Regardez. Vous avez vu le style? Oh ouais. Vous avez vu le style? Ah ben là, j'ai 4 ans. Ah, j'ai quel 4 ans même? J'ai 2 ans là. Regardez. Oh merde. Massa. Vous avez vu? Oh là là, la fille de sa mère. Je suis stylée, le feu sort. Je suis stylée là, le feu sort, wallahi. Vous voulez parler de. C'est le décolleté que tu veux voir la mère. Et je la vantardise de ça. Oh. C'est le décolleté que tu veux voir. Maman Sarah, quand j'étais encore moi-même. Je suis finie comme une pile plate. Oh. Je suis finie comme une pile plate, hein, en vrai. Je suis finie comme une pile plate. Quand j'étais encore moi-même. Ok, et là, il y a mes allez sur mon mur, pardon. Hein, mon Congo? Hein? Là, j'ai plus de 35 ans. Hein? Oh, vraiment. Vraiment. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui vont dire là que mon père n'est pas mon père, moi, je vous dis, hein, moi, on ne cache pas les choses. Voilà mon padre, mes filles. Voilà mon padre et mes filles au 237. Voilà mon père. Eh oui. Mes filles sont au Cameroun, là. Mes filles sont au Cameroun. Voilà mon padre et mes filles. Voilà ma doudou. Voilà ma Lulu. Allez sur mon mur, comme vous voulez, les infos sur les gens. Voilà mon père, non. Elles sont allées au Cameroun. Elles sont allées voir leur grand-père. Eh oui. Eh, vraiment. Quand j'étais encore moi-même. La vie de l'homme ne peut pas durer. La vie de l'homme ne peut pas durer. Moi, je vous l'ai dit, oh, je vous l'ai dit. C'est abusé. Oh. Je vais pleurer tellement c'est. Je vais pleurer la famille. J'ai la nostalgie. Sacrée nostalgie. Oh là. Maman Sarah. Ça, c'est l'œuvre des sardinards, hein? Hein? Est-ce que je suis sortie pleurer que Wokolo,
Wokolo, Wanted. C'est vous qui avez fait ça. Et la sardine. Armée est très dangereuse. Mais Congo. Voilà, non. Est-ce que je suis sortie pleurer que Wokolo, Wokolo, Wokolo. Ah, lors d'une marche, et j'ai une photo avec Wa Cameroun. Regardez. Ah oui. Pour la postérité. J'ai une photo avec Wa Cameroun, hein. Bon, nous n'étions pas encore à couteau tiré, pas à couteau tiré, mais je n'avais pas encore attrapé. Bon, allez, nous sommes bien amusés aujourd'hui. Le délire, c'est bon, mais il faut pas que ça dure trop, hein. Voilà, la famille. C'était le petit message de ce vendredi. Question de faire retour sur bêtise, hein. De jouer à retour sur bêtise, mes frères, ah bon, oh, on ne dit pas les gros mots ici, hein? Hein? Mokongo, moi aussi, il fut un temps, j'avais les cheveux des morts sur la tête, hein? Regarde, et je porte ça bien, non? Nyangalement, regarde le sourire. Oh, vraiment. Ah, moi aussi, je vais devenir narcissique, hein? Je vais devenir narcissique. Quand je regarde comme ça, je me dis, Karine, tu peux réactiver, tu es encore potable, regardez. Hein? Je me dis, Karine, tu as encore de bons restes. Yeah! Tu as encore de bons restes. Et pourquoi est-ce que tu te laisses aller? Wandayas. Ouais, je vais devenir narcissique. Ha, ha, ha. Allez, c'est bon, la famille. Redevenons sérieux. On ne bâtit pas un pays en délirant. Vous allez nous arrêter ça. Vous allez nous arrêter ça. Nous parlons de l'avenir d'une nation. Nous ne parlons pas de vos humeurs. Nous ne parlons pas de votre beauté, de votre intelligence. On n'en a rien à foutre. Que ce soit clair pour tout le monde. Tant que Simone Mokongo fait ses sorties pour dire allez détester, allez tuer. Vous n'êtes pas Camerounais. Mon Congo, nous allons porter la même jupe droite à ras la foufoune. Tu n'es déjà pas bien à l'aise dans ta jupe droite. Imagine-moi avec mon gros corps dedans. Nous deux là. Imagine nous deux dans ta jupe à ras la foufoune. Ben, très vite, cette jupe-là va se transformer en ceinture. Et une ceinture bien serrée. Oh, c'est vous qui voyez. Si vous estimez être dans la bonne démarche, allez, allons enfants de la patrie. Mais ce qui est sûr, c'est que universellement, vous avez tort. Ce qui est sûr, c'est que universellement, dans aucune société, on ne peut vous passer ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez nous arrêter ça. Nous allons courir. Il faut demander au tontinard, hein. Quand moi, il commence à courir avec toi, mon fmide. Ah! J'aurais pu être une sprinteuse, hein. Ah oui. Par ta 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 vroup. Je suis une résistante à ma propre personne avant d'être résistante dans la lutte. Hein? Je suis déjà résistante à la base. Donc vous imaginez tout ce que je peux endurer. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer tout ce que je peux endurer. Une comme moi, je ne suis pas sensible aux injures. Je ne suis pas sensible aux insultes. Votre domaine de définition. Donc, s'il te plaît, télécharge-nous le jingle de demain matin, hein? À Simone. À Sissi. Télécharge-nous. Je suis même sûr que tu es dans l'IB de mon fiston. Télécharge-nous le jingle de demain matin. Parce que tant que tu es conne, c'est comme ça et pas autrement. Allez, la famille. Musique, tous les droits réservés à Richard Bona pour la musique. Voilà. Oh my God, j'ai encore enlevé ce truc. C'est ballot, ça. Tous les droits réservés à Richard Bona pour la musique. Hein? Il y a confinement, vrai, vrai. Donne, mes plans sont
à la flotte. Hein. Ben, j'aime vraiment pas suivi l'actualité ces jours-ci. Hein. L'île de France est confinée. Il n'y a plus d'inter. Il n'y a plus d'inter-région. Hein. Maman Sarah. On peut un peu plaire inter-région. C'est la jachère à nouveau. Ça craint. Quand on dit aux gens de ne pas être cons, ils n'écoutent pas. Portez vos masques, distanciation. Tu as des personnes qui sont toujours dans le full contact. Ouais, c'est boloyé. Ben écoutez. Seine-Maritime. Ok, ben écoutez. Tant le Ronald peut passer encore entre les gouttes. Je dois m'apprêter psychologiquement à revoir, à voir la grenoblase rebac à la maison. Covid s'y dérange. Hein. Mkamou, la famille, on se tamponne plus tard. Hein? C'est dredi, le meilleur jour de la semaine. Oh, en bas. Bas la terre. Je ne lui ai pas. Oh mince. Est-ce que je lui ai pas mis ça? Ah ouais, elle n'a pas tout envoyé. Oh, what the hell. Le justificatif là, c'est quelque chose. Voilà. Aïe, ah, ouais, mes épaules, ils vont me finir. Allez, la famille. Belle journée. Oh my gosh. Elle n'avait pas tout envoyé, ouais. Je me souviens. Extrait d'acte. Elle a envoyé l'acte de décès pourtant. Ok, l'acte de décès hier. Ok. Bon, allez. Transférer. Bonne journée, la famille. Ouh. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah, papa, peuple uni. Kouga. On nous a y collé beaucoup de tickets. Maintenant, il faut que Les vieilles Amazones au Saint-Raplapla sont aussi des cougars. Détournement de mineurs, quasiment. Hey, Mama Sarah, Mama Sarah, peuple uni. Détournement de mineurs. Il a eu les ambas. Détournement de mineurs. Pas moi. Pardon, quittez derrière les problèmes. Faut quitter derrière les problèmes, oh, mon gars. L'amour n'a pas d'âge. Dieu. Hey, vous n'avez pas vu les problèmes que Pomba a pour avoir épousé une plus jeune de plus de 20 ans. Vous ne voyez pas les problèmes de Pomba. Les enfants du facteur, les fugues. Hey, pardon papa, laisse comme ça, quitte seulement derrière les problèmes. Je t'en supplie. Hein? Mama Sarah. Mama Sarah et Aborbese, Aou Kouya, Namungole Wondo, Aou. Allez, la famille. J'aime bien passer ces moments avec vous. C'est dommage, je lis plus trop les commentaires, mais bon, voilà. On se tamponne plus tard, hein. Les rendez-vous aujourd'hui.
J'en sais rien. Aujourd'hui, il y a quoi? Et puis, je n'ai pas regardé tout le direct de ma générale hier. Je me suis endormie. Je vais mettre le direct de ma générale en fond sonore. Là, je vais écouter. Écoutez, ça sort comme ça sort, n'est-ce pas? On se tamponne plus tard. Bon confinement à mes frères d'Île-de-France. Bon confinement au nord. C'est quoi, Nord, Pas-de-Calais? Bon, bref. Bon confinement aux confinés, hein? Nous autres croisons les doigts pour que ce soit pas étendu parce que là, non, 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 non. Prisonnière volontaire, je veux bien, mais prisonnière obligatoire, là, non, 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 non. Je ne sors pas beaucoup, donc c'est pas un problème de rester à la maison. Par contre, si ça devient comme une dette là, hein, non, 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 ça n'y fait pas du tout. Nous allons définitivement fermer ce direct avec en chanson. Lokwa Kwanza, Congo King. Une perle, hein, une perle. Allez, la famille. Oh là là. Au boulot. Vous n'êtes pas encore parti. Mon téléphone ne fonctionne pas à mon poste. Alors, oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'appelais mon portable. Désolée. Reflex, reflex. Alors, bah, c'est vrai qu'elle a envoyé ces trucs en pièces détachées. Je viens de t'envoyer l'acte de décès. Parce que c'est sa belle famille. Hein, donc, elle a envoyé le livret de famille de son conjoint. Attends, c'est un peu. Attends une seconde, attends une seconde. Que je te raconte pas d'histoire. Alors. Ok, attends une seconde. Moi, j'aurais juré. C'est vrai que j'en reçois tellement que. J'en reçois tellement que à l'arrivée, je ne sais plus qui a perdu qui. Alors, elle avait. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a perdu son beau-père. Son grand-père l'a perdu. Elle a perdu son grand-père, voilà. Et elle a envoyé. Oui, ah oui, j'ai été induite en erreur parce qu'elle parlait du Pax. Oui, je ne comprenais pas pourquoi il y avait le Pax dedans, en fait. C'est ça, non? Oui, il faudrait qu'elle envoie celui de ses parents, pas le sien. Par contre, je viens. Ah, ouais, toute la filiation en fait. Ok, bah écoute, je viens de t'envoyer l'acte de décès, donc il reste plus que le livret de famille de ses parents. Ok, Nick. Oui, c'était à cheval, il y avait un week-end. Elle aurait dû mettre haut. Bon, bref, après, on te retombe sur les gens. Ok, bah écoute, je lui demande, hein, je transmets. Oh, il y a tellement eu de décès dans. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ben, écoute, bonne fin de semaine et à bientôt. Porte-toi bien. Ciao. C'est compliqué toute cette paperasse, hein? Alors, allez, oula, la famille. Il faut bloquer le porte-monnaie magique. Bah oui, tenez, quelle est bonne celle-là. Bon, allez, la famille, à demain ou à plus tard. Supprimez le commentaire. Supprimez le commentaire. M. Camour, c'est fait. À demain pour d'autres aventures. Ciao, ciao.